Ok, bonsoir à tous, bonsoir, j'espère que vous allez bien, mes gens, bonsoir à vous, partagez le live, venez on papote un peu mes gens, oui, Madoka, tu es sorti du champ, maman ensemble, je suis sorti du champ, ou ma personne, je suis sorti du champ, le champ de ça. Je suis sorti du champ, oh ma personne. J'ai dit, maman, je suis devenu une broussaille. Je veux faire comment, mes gens? Je veux faire comment, mes gens? Oh. Miyade, ensemble, Madoka est sorti depuis le matin. Oui! La vie de star, Madoka. Mes gens, on est en train d'emballer le foufou, les coulis des gens. Ce n'est pas facile, le travail c'est que j'ai pris là. Mieux, je vendais moi mon jansan. Non. Les gens qui vendent le jansan n'ont pas la pression. Hein. Mieux, je vendais le jansan ou je vendais les perruques. Maman, et comment mettre sur ma tête? J'essaie moi-même, on achète. Au travail que j'ai pris là. Hein. Oui, ce n'est pas ce que vous dites souvent que Mapa, c'est le travail de Mapa en vrai. Si tu n'es pas un homme, tu ne peux pas faire. Regardez comment on est en train de bâcher les colis. D'autres sont déjà partis. Parce qu'il y a des gens. Les gens qui a. Oui, maman, au travail ici, là, ça va me laisser, maman. Regardez comment on est en train de bâcher les colis, mes gens. Vous avez vu. Regardez, on est en train comme ça de bâcher. Vous avez vu, non? Vous avez vu comment on est en train de bâcher les colis là-bas? Regardez. On bâche les colis. Regardez. Voilà les colis de manioc au sol qui sont en train de bâcher. Voilà les colis de foufou là-bas qu'on est en train de bâcher. Regardez. Vous avez vu, non? Ah, les colis qui partent. C'est ça comme ça là. Vous avez vu, non? Il faut au moins 3 personnes pour soulever ça là. Ce n'est pas facile. Vous avez vu, non? Comment on fait, non? Et ceci comme ça là, je mets le bonus de couscous en boule pour que mes clients aussi. Ils mettaient les couscous en boule au-dessus, non? Et tu vois pas que c'est vide. C'est chargé. Les clients, c'est les clients VIP. Le cassé, elle ne veut pas ça dedans. C'est des boules rondes. Vous avez vu, non? On charge. Clients satisfaits. Moi-même. Ça, là, c'est le bonus que j'aimais pour que mes clients. Je flatte mes clients, non, mes gens. Je flatte mes clients, oh maman, pour qu'ils reviennent. Les boules, là, sont finies. Je rajoute encore quelques au-dessus. Ajoute. Voilà. Ajoute bien. Vous avez vu, non? Là, c'est le bonus. Maintenant, on bâche. Regardez comment on bâche. Vous avez vu comment on bâche, non?
Le sac, si vous n'êtes même pas trop, vous ne pouvez pas porter ça. Hein. Il n'y avait plus l'autre qualité de truc là. Il n'y a plus. Non, non, ça va, bas chalon. Ça là va suffire. Voilà. Ça est bon, mes gens. C'est deux sacs qu'on joue. Et puis vous voyez ça que c'est long jusqu'en haut. Il n'y a aucun sac qui vient long comme ça là. Donc, c'est deux sacs qu'on joue en haut. On envoie jusqu'en haut. On charge. Vous avez vu, non? Donc, c'est ça, oh, mes gens. Vous avez vu, non? Regardez. Ça, c'est le manioc. Hein. Ceux qui commandent le manioc, je donne deux. Deux comme ça pour un sac. Deux comme ça, c'est ça qui fait un sac. Deux, un sac. Parce que si on met dans... Si je mets ça long, comme ça là, personne ne peut porter. Si je mets ça long, personne ne peut porter. Donc, je suis obligée de donner le maillot deux pour un sac. Parce que si je donne, personne ne peut soulever ça au sol. Donc, on est obligé de... De faire comme ça là. Ouais, maman. Donc, il doit rester dans le couscous pendant que d'autres vendent des gens sans. Le sac de quoi? Le sac de couscous. Il y a les couscous en boule. Hein. Vous voulez le sac de 100 kilos, 55 000. Je vous livre. Couscous en boule là. Les boules que vous avez vues là. Il y a le sac de ça, 55 000. Le livre, le couscous simple, même chose. Vous avez vu les, tous les colis que vous avez là, c'est direction Douala, ça part à Douala. Donc c'est pour les clients. C'est pour les clients de Douala. Donc tous les colis que vous voyez là. On a livré, on a, il faut que j'appelle la dame là pour savoir si on l'a livré. Il y a une dame que elle mettait là, il fallait quoi? Coucou maman, tu fais ton couscous comment? Maman, je sèche non, maman, je sèche. Je trempe, je sèche comme tout le monde, non. Je trempe, je sèche. Je sors aussi maintenant les boules. Maintenant, comme il n'y a plus... Attends, grand-mère Mamoun, c'est qui? Qui dit qu'on doit la livrer aujourd'hui? Maman, elle doit te livrer aujourd'hui. C'est qui non, maman? Écris-moi sur WhatsApp. Peut-être j'ai pris ta commande, j'ai oublié, ma. Hein? Merci, Oma Lili. Attends, grand-mère Mamoun, c'est qui? Quel couscous? Casser les boules là. Non, j'ai mis au-dessus comme un cadeau pour que les clients goûtent. Non. J'ai bâché avec au-dessus. Pour attirer les clients. Il faut qu'ils goûtent aussi. Merci chérie, tu m'as gardé les avocats. Je suis en live. Hein. Okay. Grand-mère Mamoun, j'ai pas encore les nouvelles. Les mamans, c'est qui? C'est grand-mère Grolo. Si c'est grand-mère Grolo, c'est qu'elle était livrée depuis, maman. Si c'est grand-mère Grolo, le lendemain du jour que tu m'as donné l'argent. Le lendemain qu'on était chez la reine Galoise, quand je suis remonté à Yaoundé, le même jour, j'ai envoyé tes colis. Et j'ai appelé le gars qui avait le numéro, qui avait le nom sur ça. Je lui ai dit que j'ai envoyé et je lui ai donné toutes les informations. Il m'a dit que le lendemain, il devait aller récupérer. Je ne sais pas si c'est grand-mère Groulou, mais ton couleur a été ma d'occasion commerciale de ça. Maman, je dois flatter les clients, maman. J'ai mis les boules pour flatter les clients.
Rémi est bon. Et pour que les clients me disent aussi, je dois m'améliorer. S'il y a si les clients ne goûtent pas, je vais connaître comment que les clients doivent goûter. Et c'est en fonction de ça que les gens vont dire non, mal de casse, c'était comme ça. Ça permet que je. Tu viens de m'écrire, maman. Je sais que j'ai encore la commande de la dame de Bepanda qui va être livrée demain. J'ai encore la commande de la dame de Bonaberry qui va être livrée demain. J'ai la commande de Claire, quoi. Deux sacs qui seront livrés demain. J'ai les commandes de Notre-Dame de Victoire, l'orphelinat Notre-Dame de Victoire. Et maman, Achille, je vais envoyer aux États-Unis comment, maman? Montre-moi le réseau, non. Je veux aussi envoyer les choses aux États-Unis. Montre-moi le réseau, maman, pardon. Tu m'écris où sur quel téléphone? Ou même mon troisième téléphone là? Où mon autre téléphone est? Hein? Ah bon? Où mon troisième téléphone? Je ne vois pas ça. Et votre téléphone que tu m'as donné, j'ai laissé ça où? Viens me donner, maman. Me donner. Parce que peut-être il y a un client qui a pris ton argent, je n'ai pas. Fait sa commande, maman. Qu'est-ce que je veux faire comment? Il n'y a plus le foufou, hein. Jusqu'à ce que je rentre encore sorti le foufou. Maman, c'est que sur une demain. Hein? Ah oui, oui. Oh. Papa Mars! Papa Mars! On t'a livré, maman, appelle à la maison. Je crois qu'on t'a livré. Tu as été livré, maman. Tu as été livré. Je crois que le chauffeur t'a livré déjà. On t'a livré, maman. On t'a livré. On t'a livré aujourd'hui, tout à l'heure, là. La cliente de Barrière a été livrée. Tu as été livré. Oui, oui, oui. Oui, maman, c'est vrai. Tu as été livré. On a livré la maman. Je vais faire comment? Pas mal, c'est mon bras droit. C'est ma force. Tu n'es pas là, j'arrête tout. Je peux pas m'en sortir seul. Il n'y a pas le mal que Dieu m'avait donné. Il n'y a pas le mal que Dieu m'avait donné. Tu n'es pas là, je ne peux pas m'en sortir. Je ne vous manque pas. Vous manquez ma force. C'est lui qui m'a force, c'est lui qui me booste. Ma maman n'est pas là, je ne sais pas comment je vais commencer. Bonsoir Black Beauty. C'est mon manager, maman. Moi, c'est vous croyez que je peux faire au travail que. C'est pas facile. Hein. Black Beauty, on dit que bonsoir. Black Beauty, entre dans le live, maman, tu me donnes le socco. Qu'est-ce qui s'est passé derrière moi, maman? Entre dans le live. Entre dans le live, tu me donnes le Japon. J'ai dit, Eve, tu as même préparé quoi? J'ai faim. Hein? Tu as préparé quoi, Eve? Avec quoi? Avec la sauce. Tu as fait l'encontre. Bonsoir, Hélène Demanou. Avec le star, on dit quoi? Maman, mieux vend le Ndiang sang, vous ne voyez pas mes gens. Avec ma peau, un peu possible que vend le Ndiang sang. Franchement, mieux vend le Ndiang sang. Au travail, c'est dur, je ne manque pas. Regardez mes doigts. C'est partout sur la caméra. Hein. C'est découpé partout, regardez. 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 Tellement j'ai épluché au maillot, ça ne m'a pas venu au Cameroun, mes gens. Tellement j'ai découpé le maillot jusqu'à. Est-ce que c'est quoi, cette femme-là? Regardez ma main.
Les blessures partout, regardez cela. J'ai dit que je découpe mes mains comme c'était le méchoui. Regardez le panari m'a même attrapé. Mes gens, j'ai vu le faux. Ouais. Regardez mon doigt, c'est. Regardez. Le pu n'est même pas encore tout fait. Regardez. Vous avez vu. Regardez mon doigt, c'est. Où c'est le panari, où c'est quoi. Ça m'a fait mal. Mes gens, mieux je ne vends pas le Ndjansan. Mieux je laisse agriculture, je vends le Ndjansan ou les perruques, non, mes gens. Ou je fais aussi l'événement comme ma femme. Est-ce que moi aussi, c'est à connu, non, maman? Maman, même si je paye, tu vous croyez que moi, tout le travail, c'est moi ce qui fait ça. Quand tu dis que paye les gens, tu connais le monde que j'ai au champ que je paye. Et je paye bien. Je paye bien plus que les gens qu'on paye en ville. Tu crois que moi, ça, je peux éplucher les hectares et les hectares de manioc. Qu'est-ce que je parle comme ça là? Donc tu vois tous les sacs que je suis en train de livrer là comme ça là maman. C'est moi celle qui a épluché ça. C'est moi celle qui a découpé. C'est moi celle qui a trempé. C'est moi celle qui a séché. J'ai tout un monde qui travaille. Ok. À mon petit niveau, moi aussi je donne le travail aux gens au village. Et si j'arrête, ces gens-là eux-mêmes vont couler les larmes. Parce que beaucoup de familles vivent de ça. Beaucoup de familles vivent de ça. C'est pourquoi à cause de je vais continuer seulement à me battre. Parce que si je laisse, les familles là aussi sont foutues. Ils vivent de ça. Ils ont les tontines qu'ils font, ils comptent que sur ça. Maman, il dit que si l'agriculture m'a dépassé, je ne suis pas seul, hein, je crois. Non, j'allais monter. Alors, maman, là, la route du centre est venue me donner une partie du Japon. Elle n'a pas fini, maman. On a signalé, là, c'est coupé. Blanc butin, viens me donner le reste du Japon, pardon. Qu'est-ce qui s'est passé derrière moi? La route a commencé, mais elle n'a pas fini. Elle a commencé. Quoi, papa Max? Oui, le rouge et le blanc. Hein? Oui, c'est bon. Comment on mélange, c'est bon. Les gens aiment aussi le rouge. Il faut mélanger un peu. Et maman, quand son sac de macabre est arrivé, maman, elle a trouvé le rouge dedans. Maman, la mère, elle voulait seulement se coucher au sol. Maman, la mère, elle voulait se coucher au sol. Elle a appelé, elle dit à sa fille que maman, la femme, là sort d'où? Elle sort d'où? Ça fait dire que maman, c'est une bengue qui est rentrée au Cameroun pour venir faire les champs. Il y a parfois quand moi-même je pars, que je pars à la livraison. Hein. Quand moi-même je pars, que j'entre aussi pour dire que bon, on va les livrer ensemble. Maman. Aïe. Quand j'arrive, les gens disent que maman, donc toi la femme c'est comme ça, tu sors des États-Unis 20 ans, tu viens faire les chants, tu es courageuse. Les gens me donnent le tchaka comme ça. Donc je vais impacter les gens positivement. Ok? Je vais vous montrer les sacs de macabre, hein, mes gens. Je vais vous montrer les sacs de macabre. Attendez, je vais vous montrer, maman. L'agriculture de ça. Si papa m'a n'est pas là, vous croyez qu'il peut. Maman, il ne peut pas mourir. Qui va m'aider à porter ça? Jamais. Hein? Papa masqué, je vais filmer un peu le. Ah, ouais, il y a l'obscurité. Va par là-bas. Qui non? Tu vois qu'elle filme ton gros ventre. Après, on va me clasher sur Facebook. Papa m'a sorti le gros ventre. Il boit les billets. Quand j'ai vu ton gros ventre, tu viens tout mettre ceci là. Voilà, voilà le macabre. Vous avez vu, non? Vous avez vu que c'est deux sacs qu'on a cousu, non, mes gens? C'est deux sacs. Vous avez vu, non? Voilà le macabre. Vous avez vu comment on bâche, non? C'est deux sacs. Bien cousu. On prend deux sacs de 50 kilos, on coud et on bâche. Vous avez vu, non? Donc quand ça arrive, s'il n'y a pas les hommes, les gens, quand ça arrive, hein, s'il n'y a pas les hommes pour porter, il y a parfois on part pour livrer, la personne envoie elle, les... Il y a un couteau là-bas, maman. Eh bien, donne-moi un peu le couteau là, s'il te plaît.
Elle envoie les enfants. Quand les enfants arrivent, ils abandonnent au sol. Même sortir ça de la voiture, ils ne peuvent pas. Ils sont obligés d'aller chercher le renfort. Parfois, ils sont obligés de couper, porter dans les bassins. Parce que quelqu'un pour suivre. Madoka, je vais passer la commande. Maman, passe non, Black Beauty. Maman, je prends le cahier. Maman, Black Beauty, prends ton maman. Je n'ai pas livré au membre. Membre, dis-moi, oh, pardon. Il y a le manioc jusqu'à. Les gens achètent le manioc. Il y a le bon manioc. Et quand vous achetez le manioc, vous-même, vous trempez, vous faites votre watafoufou. Ça peut vous donner un. Ça vous donne beaucoup jusqu'à. Parce que je donne deux sacs comme ça pour un sac. Deux sacs de manioc pour un sac. C'est comme ça qu'ils donnent. Parce que je ne peux pas mettre dans un long sac. On ne peut pas porter. Donc je mets dans deux sacs bien bâchés. Voilà ça au sol, je vous ai montré. Donc tous ceux qui commandent chez moi, satisfaction totale. Satisfaction totale. Les premiers moments que j'ai eu des difficultés, c'était quand j'ai sorti le maïs. Hein. C'était mes premières récoltes là-bas. La conservation, je n'ai pas maîtrisé. Les premiers sacs que j'ai sortis là, il y a les gens quand même qui se sont plaints que, mais ils m'ont donné le secret, comment bien conserver. Donc maintenant, depuis là, tous ceux qui commandent chez moi, chacun crie seulement. Chacun dit que Dorcas, 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 si je m'en venais dire. Venez dire tous ceux qui ont commandé chez moi. Les messages, ils sont là, non? C'est tous les gens de Facebook. Si je mens, venez dire que Dorcas, tu mens. Sortez où? Venez dire. Et si c'est bien, venez aussi faire ma pub et dites que non, Dorcas, j'ai commandé chez toi, c'est bon. Donc, tous ceux qui ont pris, satisfaction totale. Je suis en train de chercher la machine. Ok? J'ai fouillé partout à Yaoundé. Il n'y a pas. On m'a demandé d'aller à Douala. Donc, on m'a dit qu'il y a un magasin à Douala qui vend les machines. Je vais descendre là-bas. Le sac de. Si tu. Je peux laisser. Je donne. Comment il dit un sac comme ça là. 50 kilos bâché. Je laisse ça à 27 000. Voilà. Et je mets que les. C'est bon manioc parce que moi-même je cultive, donc je n'achète pas sur le marché. Maman, commande non, Blabuchi, tu veux quoi? J'écris à ton nom. Maman, tu es la deuxième personne aujourd'hui. Le milliardaire était mon premier client. Blabuchi, les quotas du Japap, elle n'a pas encore. Elle m'a aussi dit qu'elle passe sa commande. Voilà, Blabuchi, tu commandes quoi, maman? Donne-moi ta commande, maman. Black Beauty. Il y a encore les livraisons à faire chez la reine galloise de 7. Il y a encore combien plus que le milliardaire a donné 5 sacs qu'elle doit livrer chez la. Hey! Maman, il y a 5 sacs. Le sac de Macabo, c'est 55 000, maman. Avant, vous saviez que j'ai laissé le sac de macabo à 45 000. Maintenant, il y a pénurie de macabo. Donc, le macabo est maintenant extrêmement cher sur le marché. Même pour voir, il n'y en a pas. Le bon macabo, il n'y en a pas. Blabuchi, je donne le sac de quoi? Macabo et de manioc. Ok, un sac macabo manioc. Voilà. Blabuchi, un sac macabo manioc. Je veux charger la voiture. Si, on fait comment? On veut d'abord charger quoi? Arriver là-bas. Il y a une commande qui part à Bonaberry. Je vais te donner l'itinéraire. Il y a une commande qui part à Bonaberry. Il y a une commande qui part à Bepanda. Il y a l'autre commande qui part à PK12. L'autre commande part où? Où ça dédo? Claire Bitoa. Attends, je regarde. Claire et quoi? Attends, je regarde sa commande. Donne-moi une minute. Hein. Je regarde. Voilà. Livre à Douala. Dans quel quartier alors? Je crois qu'il m'avait dit Dedo. Hein. Je vais lui demander. Si Claire et quoi est là, pardon, qu'elle m'écrive. Je veux savoir. Parce qu'on va lui livrer demain. Je veux savoir là où sa commande part. Je crois qu'elle m'avait dit Dedo. Donc, voilà l'itinéraire.
Voilà l'itinéraire qui était donné. Tout ça par Douala. Bonaberry. Bépanda. Après Bépanda, il y a kilomètre 12. Et Daido. Voilà les quatre itinéraires. Kilomètre 12, qu'est-ce qui descend là-bas? Les deux sacs de manioc là et un sac de foufou. Au marché de kilomètre 12. Et à Bépanda, qu'est-ce qui descend là-bas? À Bépanda, ce qui descend, c'est un sac de macabo, un sac de foufou. Et à Dédo, c'est quoi? Deux sacs de foufou. Bon, un sac de macabo. Parce qu'elle a commandé tard. Elle veut aussi un sac de foufou. Mais je lui ai demandé d'attendre la semaine prochaine. Donc, il n'y a pas... C'est pourquoi elle va prendre un sac et... Je suis à Yaoundé, Black Beauty. Oui, maman, j'ai écrit ta commande. Black Beauty, un sac de macabo. Plus manioc. Voilà. Le sac de macabo, c'est 55 000, maman. Bépanda, oui. Un sac de macabo, un sac de foufou pour Bépanda. Là, Buti, j'ai pris ta commande. Un sac de macabo et un sac de manioc. C'est ça. Donc, mes gens. Ça va faire... attends, hein. Là, Buti, je t'envoie ta facture. C'est pour livrer ou à Yaoundé Black Beauty. Ou ta personne va venir chercher moi de quoi je veux un sac de macabo mélangé. Ou oui, maman passe ta commande, il y a le macabo. Il y a le kousou samboulo, pardonnez. Attendez-vous, mon. Deux sacs de foufou. Voilà les kousous samboules, hein, mes gens. Il y a le kousous samboules, voilà. Ça, c'est pour les connaisseurs. Ils livrent le sac. Un sac. Kousous samboules, passez les commandes. Voilà ça. Pardon. Je vais acheter mon séchoir pour le foufou. Il n'y a plus le soleil. Donc, pardon, passez les commandes. L'argent là va m'aider à acheter la machine. Pardonnez. Les machines là pour cher. Pardonnez. Commander, merci de me soutenir. Maman Doka, je veux un sac de macabo mélangé. Oui, José Nyangam. On livre où, maman José? On livre où? Hein, José? Toi là où il y a Yaoundé? Tu veux un sac de macabo, Florence? On livre où alors, José? José Nyankam. Macabo. Pardon, ne fais pas, j'écris après, vous ne me... Voilà mon numéro de téléphone. José, écris-moi sur WhatsApp. Le 677-38-06-98. Voilà mon numéro. Voilà. Ok, Florence Patoureau. Tu veux un sac de quoi, ma? Florence, tu veux un sac? Moi, je t'appelle tout à l'heure et on s'organise. Ok, Black Beauty, il n'y a pas de problème, maman. J'ai appris ta commande. Florence, hein?
Florence Paturo. Tu veux le moi, je t'appelle. Hein? Ok, le macabo. C'est pour l'Ivoire, voilà, quel quartier? On y va dans quel quartier, maman? Il y a aussi l'option que j'envoie à Buka. Vos gens viennent chercher à Buka. Il y a aussi l'option là. Ou à Princesse. C'est dans quel quartier? Je veux un sac de macabo mélangé, livré Yaoundé au Yomaban. Ok, Yomaban. Alice Takam. Alice, oui. Écris-moi sur WhatsApp, maman. Pardon, ne me faites pas les commandes, après vous ne prenez pas mes gens. Pardon. Pardonnez. Je vais acheter ma machine, j'ai besoin d'argent. Alice Takam. Alice, tu veux pas le couscous sambou? Ou le sac de foufou, Alice? Tu ne veux pas le foufou? Le foufou, c'est bien. Macabo. Comment pas le foufou, non? Pas aussi le foufou. J'ai la dame qui vient de livrer là, hein, à Barrière, celle qui vient d'écrire qu'est-ce que je l'ai livré là. Elle m'a dit que ça m'a dit que son sac de macabo plus foufou, elle est garantie 6 mois. Elle va seulement chercher maintenant la viande, quoi, elle jongle. Oh, le râpé de ça, oh. Le macabo comme ça, oh. Le foufou, oh. Elle mélange avec le riz, elle est tranquille, 6 mois garantie. Sauf si elle veut partager, vous connaissez nos mamans, non? Est-ce qui est sûr qu'elle va partager? Nos mamans là, surtout quand tu es un bengue, dès que ça arrive, maman, elle dit que venez prendre. 2 jours après, elle pleure encore. Que, oh, tu sais que ma soeur, si j'ai donné. Maman ne gère pas le reste. Florence, voilà mon numéro que j'ai épinglé. Voilà mon WhatsApp, maman. Cité les palmiers. José Nyakam. Ok, cité les palmiers. José Nyakam, cité les palmiers. Quoi, papa Max? Bonaberry, c'est un sac de macabo. Elle veut aussi un sac de foufou, mais il n'y a plus le foufou. Je lui ai dit que ça va être dans la semaine qu'on va lui livrer, qu'on va encore sortir le foufou. José. Oui. Papa, mais le foufou. Celle qui part à Bonaberry, c'est le macabo. Maman, le foufou est bon, non? C'est pourquoi le problème, c'est que pour sécher maintenant, c'est dur, il n'y a plus le soleil. C'est pourquoi je suis venu acheter la machine pour que à toute saison, j'ai le foufou. Je suis venu acheter la machine pour sécher le foufou. On m'a indiqué un magasin à Douala qui vend ça. C'était sur livraison. Ok, attends, hein. José a dit que quel quartier? Elle a parlé de quel quartier? Attends, Florence. Cité Sic. Donc tu es à côté de moi, hein? Moi je suis à la BP Cité, non? J'ai grandi là-bas. Cité Sic à côté, Florence. 06, c'est quel numéro que tu... On conserve le macabo comment? Maman, les femmes connaissent, les mamans connaissent comment elles conservent, non? Tu cherches un endroit, tu verses là. Le macabo de maintenant, ça dure. Tu cherches un endroit, tu verses. C'est bon. Si tu as peur, prends le foufou, non, maman? Prends le foufou. Ou tu prends le foufou en boule. Ou tu prends même le manioc quand ça arrive. Les mamans elles-mêmes... Hein? J'ai livré le manioc aujourd'hui. La mère a dit qu'elle-même va découper son manioc. Elle met au soleil. Ça va donner beaucoup. Hein. Parce qu'elle donne 2 sacs pour 1 sac. Le sac de foufou en boule, 55 000. Le sac de foufou séché, 55 000. Moi, les boules sont plus chères. Mais je donne ça comme ça là. Parce que moi, j'ai beaucoup le manioc au champ. Donc, je veux sortir le manioc là. Je veux sortir le manioc, c'est pourquoi je donne le sac de fou, les boules comme ça là, au sac de ça. Vous avez vu, non? Voilà ça. Les boules. Bon jusqu'à. Tout ce que je suis en train d'envoyer le foufou maintenant, je les ai mis les boules. J'ai bâché avec les boules. Tous les colis qui sont en train de partir là, j'ai bâché avec les boules. Vraiment pour flatter mes clients. J'ai mis les boules dedans pour les flatter. Donc, elles vont détacher. Elles vont d'abord voir les boules au-dessus du couscous samba.
donc pour flatter mes clients. Oui, maman, voilà le numéro que j'ai mis là comme ça. C'est mon numéro MTN Money. Donc, tu peux me faire le transfert MTN Money et... Charlie, je vais te rappeler, je suis en live. Comment Madoka, le sac de manioc coûte combien? Le sac de manioc, si tu payes le sac de manioc, comme je suis en train de donner là, je te donne, au lieu d'un sac, je te donne deux sacs. J'ai montré là tout à l'heure, on a y a chargé. Je donne deux sacs qui est la valeur d'un sac. Quand tu prends les tubercules de manioc, deux longs sacs qui est la valeur d'un sac. C'est comme ça que je donne. Tu prends où tu veux transformer comme tu veux, tu transformes. Tu veux faire le watafoufou, tu fais le watafoufou. Tu veux éplucher, mettre au congélateur, manger même six mois. Chacun connaît comment il prend pour garder. La femme que j'ai livrée aujourd'hui, elle a fait les enfants épluchés. Elle va charger au congélateur. Chaque fois qu'elle veut préparer, elle prend. Les gens disent souvent que quand on met au congélateur, ça se garde. Non. Quand tu mets au congélateur, ne dégivre pas. Tu fais comment? Tu mets l'eau bout bien. Quand l'eau est à bouillir, tu prends ton manioc. Ok? Tu prends ton manioc. Tu ne dois pas mettre l'eau que ça doit. Non. Tu prends ton manioc. Tu peux mettre un couvercle en bas et tu déposes ton manioc. Congélé comme tu retires là, tu déposes, tu fermes. Quand ça cuit, c'est comme si tu venais de déterrer du champ. Mais si vous laissez que ça dégivre avant de préparer, ce n'est plus bon. Voilà comment on prépare le manioc qu'on a retiré. Donc, si tu donnes, j'ai le sac. Si je donne peut-être le sac à 27 000, un sac. Mais pas un sac de 50 kilos. Hein. Pas un sac de 50 kilos. Un sac comme les sacs que je vous voyais là, bâché. Pas un sac de 100 kilos. Bâché. C'est pourquoi il dit que si vous payez au prix du foufou, je donne plutôt deux grands sacs de manioc. Voilà, c'est ça. Dorcas, comment tu vas? Ma Dorcas, le sac de manioc. Voilà, c'est ça. Pour le règlement. Oui, voici maman, voilà. Voilà mon numéro que j'ai mis là. Hein, Flora, le numéro aussi que tu as mis, c'est quel numéro? Et moi, ça va, Marco Charlie, comment tu vas, mon frère? J'espère que tu vas bien. Ouais, contacte-moi. Inbox. Ah, c'est ton numéro ici, hein, Florence. Ok, attends. J'écris ton numéro, hein. C'est le 065 0 3 0 3 0 6 50 0 6 50 30 34 33. Quel est l'initial? C'est le plus quoi? Le plus zéro? Il doit bien avoir l'initial, non? Cité sigle livraison, voilà. Ok. José Nyakam, voilà mon numéro, maman. Appelle-moi. Et c'est un numéro. C'est un numéro WhatsApp également. Voilà ça que j'ai épinglé. Contacte-moi, inbox. Ok. Ok, je t'appelle après le live inbox pour commander. Je veux le sac de 50 kg de manioc et le sac de macaron. Ok, maman. D'accord, ma chérie. D'accord, ma belle. Tu me contactes, non, maman? Charlie Flore Kouete. J'écris ton nom, non? Charlie Flore Kouete. Il faut me contacter. Ne faites pas, j'écris après. Parce que les autres, ils font comme ça. Après, là, vous ne contactez pas. Charlie, écris-moi alors maintenant. Écris-moi seulement sur live. Tu me dis que c'est Charlie. Charline. Écris-moi alors, Charline. C'est pour livrer au Charline. À Yaoundé ou à Douala. Ou au village. Même à l'ouest, c'est livré. Charline Flore. Écrivez-moi, non? Il n'y a personne, écrivez-moi tout ce qui veut commander. Dites-moi
écrivez, vous dites quand même quelque chose que je... Ok. Écrivez-moi alors. Pour livrer à Olembe, ok. Charlie Flore Kouete, Olembe, tu veux quoi? Tu as dit que tu veux quoi? Demi sac de... sac de manioc et macabo, c'est ça, non? Manioc. Manioc. 50 kg. Macabo. Macabo. Ok. À Olembe. Voilà. Voilà, Charlie, j'ai pris. Charlie, j'ai pris ton. Bonjour. J'ai besoin d'un demi-sac de foufou à la fin du mois. C'est possible. Oui, c'est possible, non, maman? Si tu veux un demi-sac, 50 kilos, je te livre, maman. À la fin du mois, oui, ma chérie. Tu déposes l'argent, non? Ou tu veux déposer à la fin du mois? Ou tu seras prête à la fin du mois? Comme ça, de temps en temps, tu me relances. Hein, maman? Mariam Diante. Diante. C'est pour livrer où, Mariam? On livre où? Hein, Mariam? Tu veux qu'on livre ça où? Dans quelle ville? Douala, Yaoundé? Tu veux qu'on livre ça où? Florence. Ok, Flo, j'ai vu Florence Patouro, j'ai vu maman. J'ai vu ton appel, maman. Ok. D'accord. Maman, merci. Oh. Je te laisse un message déjà. Salut ma soeur. Voilà. Charline, tu ne vois pas mon numéro. Si tu n'as pas mis le plus 237, tu ne peux pas voir. Ajoute de plus 237. Avant d'enregistrer dans ton téléphone, avant d'enregistrer mon numéro dans ton téléphone, mets le plus 237. Ok, Mariam pour Yaoundé. Ok, quel kacha Yaoundé, Mariam? Mariam, écris-moi alors sur WhatsApp. Pour qu'on fasse des arrangements pour ta livraison. Hein, Mariam? Yaoundé, quel quartier, ma? Hein? Foufou, 50 kilos. Ouais, mes gens, pardonnez. Passez les commandes, non. Charline, tu as vu mon numéro finalement? Ou alors tu m'écris ta page, je te cherche. Il faut mettre le plus 237 si tu veux me voir, Charline. Sirene Garrier, comment tu vas, ma chérie? Sirene, passe à commande, non? J'ai le foufou en boulet. Passe à commande d'un sac, je n'ai pas livré là où tu veux que je livre, maman. Je n'ai pas livré, oh, maman. Tu n'as pas la matière ici au cou. Même une soeur. Passe à commande, ma. On ne peut pas livrer. C'est ça, non? Pour Yaoundé.
Il n'y a que Florence qui m'a déjà contacté. Les autres, vous ne me contactez pas. Pourquoi? Voilà, deuxième personne qui vient de me contacter. Personne. Bonsoir, Madoka, c'est Charline. Bravo, Charline. Où est Charline? Voici Charline. Bravo à toi, Mambo. Bravo. Toi. Voilà, Charline, c'est bon. Florence, c'est bon. Déjà contacté. José Nyakam, c'est comment? Contacte-moi, l'homme. C'est comment, Madoka? Tu as les nouvelles de la dame du noir aux États-Unis? Maman, je n'ai pas moi ces nouvelles. Maman, comme vous aimez le soco, viens m'affairer, non? Elle est où? Mon ancien général. Elle ne connaît pas moi, maman. Laisse-moi dans mon couloir, la paix est bien, moi. La paix est bien, mes gens. Suis-moi dans mon couloir. Voilà. Allô, Marco? Allô? Oui, maman. Hey, c'est moi, non? Tu ne te souviens plus de moi. Je vois seulement un beau. Non. Ah, Marco, c'est comment? J'ai vu le plus 832, je sais que c'est Houston. C'est moi, non. Je suis au travail, je vais t'appeler après. Parce que là, tu n'as pas fait contact. C'est moi qui t'écris là. Avec José Nyakam. Ah, José. Oh, ok, oh, Marco, ma voisine. Ma voisine de Houston. La team de USA. C'est de ça qu'il s'agit. Oh, maman, j'arrive là-bas. Peut-être que je serai là en septembre. Ok, maman, on va se voir. On va se voir, on va boire les bières. Ok, ma, bisous. Je t'appelle après, maman, je suis au travail, t'appelle après. D'accord, bon travail, elle m'en veut. Ok, maman. Eh, la team de USA, je vous aime jusqu'à. Je vous aime, maman. Je vous aime, vous. Non, vous n'aimez pas, vous, les clashs. Je veux que moi, pardonner. Pardonner. Bête Marie, là, qui vient poser des questions bizarres, bizarres, là, pardonner. Tout le monde en mode commerce sur Facebook. Ce n'est pas moi qui vais rester dans les clashs. Vous mentez. Je dis que vous mentez. Tout le monde est en mode business. Ma foi est dans l'événementiel, maman. Elle cherche son argent jusqu'à. Hein? Lolo est là-bas. Lolo vend ses habits, non? Lolo fait beaucoup de business, non? Hein? La femme ne veut pas, mais ça. Elle vend les perruques, elle vend les produits cosmétiques. Qui se néglige sur Meta? Donc c'est moi, Dorcas. Vous avez vu que non. Il va caler là pour clasher. Vous mentez. Clash pas. Vous avez combien quoi? Donc, pardonnez. Pardonnez. La paix est bien. La paix est bien, oh. Donc, c'est ça. La paix est bien. Happy Mother Day. Oh, thank you, sweetheart. Hey, ma voisine de Houston. José. José. Tu as enregistré son nom. Mes gens, pourquoi vous aimez qu'on clash? La paix n'est pas bien, mes gens. Ton numéro, ma, voilà mon numéro que j'ai épinglé. Sidonie Gatier, voilà mon numéro, j'ai épinglé, non. Tu ne vois pas, ma. Je vais encore mettre 677-38-06-98. Voilà mon numéro. Voilà mon numéro. Voilà mon numéro que j'ai mis là. Voilà mon numéro que j'ai encore mis. Écris-moi alors. Madoka, on attendait ta sortie. Dites-moi alors, il y a quel japap? Dites-moi, il y a quoi?
Afférez moi. J'étais déconnectée de tout. Si vous ne m'afférez pas, je vais savoir que qu'est-ce qui se passe. Hmm? Vous savez que je ne joue pas dans un mauvais rêve. Venez m'afférer. Hein? Quelqu'un a parlé de moi. Du Cambino a parlé de moi. Afférez moi. Qui a parlé de moi? Mon général m'a encore prononcé. Elle a encore prononcé mon nom. Non, elle n'a pas cœur pour prononcer mon nom. Et c'est Dieu dans mauvais rêve. Il ne joue pas dans mauvais rêve. Mais je lui conseille de laisser les clashs. Ça n'aide pas. Ça n'est tout au contraire. Qu'elle laisse les clashs. Si elle veut faire le blogging, vraiment. Et je, elle est connue. Je l'ai fabriquée. Elle est connue. Elle est connue. Elle n'a plus besoin de ça. Elle est connue, non? Est-ce qu'elle a encore besoin de ça? Sa fabrication était très rapide. Elle n'a pas besoin de ça. Je l'ai déjà fabriqué, non? Hein? Ou bien, est-ce qu'elle a encore besoin de clasher les gens? Elle n'a plus besoin de ça. Elle peut passer à autre chose. Elle peut faire autre chose sur Facebook. Si elle veut rester sur Meta, qu'elle veut aussi vendre quelque chose. Ou même le Nyansan, elle vend ce qu'elle veut. Madoka, elle peut vendre n'importe quoi, mais qu'elle sorte des problèmes. Ensemble, tu n'arrives pas. Tu fais ça par quoi, ma? Dis-moi non. Tu fais par quoi? Tu fais par Orange Money, tu fais Influence. Florence, tu fais pas. C'est parce que Flo, si tu fais le virement maintenant, Papa Max, il y a quelqu'un qui veut un sac de macabre demain à cette cité. Tu peux encore prendre. Okay. N'importe quel nom, c'est impression. Tu peux prendre un sac de macabre. Oui, c'est ça, maman. Oui. Mais si tu mets le 00 là, il faut enlever le 00 là. Ça peut comme. Enlève le 00, maman. 200 plus, ou tu peux mettre plus. 237, 638. Oui, c'est mon. Oui, c'est ça, maman. C'est ça. Dorcas Tumbanjinka, c'est ça, c'est mon nom. Papa Masson dit que c'est toi le manager. Tu es le manager de ma Dorcas. Maman, c'est ma force, non? Si n'est pas là, vous croyez vraiment que je peux m'en sortir? Je peux pas m'en sortir. Florence, fais aller le dépôt, maman. Tu fais le dépôt et le chauffeur qui livre va aller livrer à domicile. Il prend 5 000 par colis. Vous connaissez, non? Ce n'est pas moi qui livre. Je me bats pour que ça ne pas arriver à Douala. Avant, je prenais même le transport pour mettre dans Buka Voyage et envoyer à Douala. Buka prend 3 000 pour envoyer. Et le chauffeur qui prend pour aller laisser à la maison prend 5 000. Mais comme le Macabo y a acheté, je prends rien que pour aller laisser à la maison. Moi-même, je prends le transport pour acheminer ça à Douala. Vous savez qu'acheminer à Douala, c'est tout. J'achemine d'abord du village jusqu'ici là, à Yaoundé. Maintenant, partout dans les villes là, s'il faut acheminer, comme moi je prends ça sur moi, ça va peser. Donc pour le moment là, je me bats pour acheminer. Mais ceux qui prennent de Douala pour aller avec à la maison, c'est 5 000. Pardon. Aidez-moi seulement. Pardon, on ne reste plus au champ comme ça. Maman, je ne veux pas rester au champ. Je reste en ville, fais quoi? Le Japon me donne quoi? Vrai, vrai. Regardez les colis des gens. J'ai pris l'argent des gens. Je vais rester en ville et là, des gens sont dans moi. Maman, c'est comment m'encercler sur Facebook? Pardonnez. Quand je prends l'argent des gens, j'ai un devoir moral de livrer. Ok? La seule chose que les clients doivent être patients, c'est le foufou.
Mais pour le macabo, quand je prends comme ça là, si Florence paye là, demain là, je vais me battre pour qu'on la livre demain. Je vais me battre pour qu'on la livre. Il y a les commandes du manioc. On a 50 kilos à livrer au Lembe, le manioc. Que j'ai appris. Il y a un sac de manioc, un sac de macabo à livrer à Yaoundé ici là. Voilà. 50 kilos de foufou à livrer à Yaoundé. Quoi encore? Voilà encore le milliardaire, un sac de manioc à livrer à Yaoundé chez la reine galloise. Il y a beaucoup de manioc aussi, hein. Les gens prennent le manioc. Mettez les sacs là à la cuisine. Je mâche le sol. Ouais, ensemble. Tu me yamo comme ça, papa. Ou c'est maman ou c'est papa. Ou. Merci, ou, je t'aime aussi, papa. Non, à la cuisine. On peut ramasser ça là-bas. Il faut regarder quoi, papa. Le sac et les pâches. Maman, la dame de. Non, l'orphelinat Notre-Dame, tes colis arrive demain au. Tu as dit qu'on laisse où? Au marché des 12, non? Rappelle-moi le nom de la dame là. Et là, ça y est. Tes colis sont déjà chargés, direction Douala. Tu as trois sacs qui arrivent. Deux sacs de manioc. Un sac de foufou. Je t'ai mis les boules au-dessus pour que tu vois aussi mes boules. Comme ça, tu vas me dire s'il est bien fait ou s'il est mal fait. Tu vas me donner des conseils. Je t'ai mis quelques boules pour que tu goûtes avec les enfants. Chaline Flo, maman, même maintenant, appelle-moi, non, maman, j'ai fait quoi? Le soco, c'est quoi quand je cherche l'argent, maman? Chaline, tu veux que t'appelle, maman? Tu m'as dit, Chaline m'a bipé, non? Où tu veux qu'on cause en privé, dès que je finis, je te fais signe. Hein, Chaline? Charlie t'appelle. Attends, hein. Lance l'appel. Allô? 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 Oui, maman. Allô, maman. Je voulais avoir plus d'informations en fait, concernant la livraison en fait. Est-ce que c'est pas sac ou bien c'est l'ensemble des sacs en fait? Donc, non, c'est pas sac, maman. C'est pas sac. Le macabo, c'est les gros sacs. Quand ça va arriver, toi-même, tu vas voir. Non, je suis pas là en fait. Comme je suis en France en fait, donc ma mère, c'est pour ma mère. Elle, c'est pour ma maman. Maman va livrer, chap, chap. Donc, je veux savoir en fait. Donc, le macabo, c'est combien de kilos le macabo? 100, maman, 100 kilos. Le macabo vient en 100 kilos, hein. Oui. D'accord. Et le manioc, c'est. Tu m'as pas que tu m'as dit si on prend le foufou, c'est 50 kilos. Donc, on prend le oui. Foufou, si on prend le manioc à la place de foufou, c'est 2 sacs. C'est ça, non? Non. Si tu veux, comme tu dis, tu veux un sac normal, parce que si tu veux que tu prends. Le prix normal, parce que tu as dit que le prix normal. Voilà, si je. C'est 27 000. C'est 27 000. Maintenant, pour ceux qui veulent prendre peut-être le sac à 55 000, je donne plutôt 2 sacs bien chargés. Voilà. Et les 2 sacs sont 50 kilos, non? Mais c'est 100, plus. 100 kilos. 50 kilos. Ça fait 100 kilos, maman. Ah. D'accord, donc il va le 100 kilos. Donc ça fait 55 000, le manioc. 100 kilos. 100 kilos de manioc. 100 kilos de macabo. Ok, maman.
D'accord, donc ça fait donc combien? Si je vais t'envoyer l'argent, ça va faire combien? Donc ça fait 50, ça fait 110 000. Oui, plus 10 000 francs de frais de transport. Vous venez laisser à la maman au Lembe, non? Oui. Est-ce que tu veux que je t'appelle pour... Parce qu'elle habite après vers Boulangerie au Lembe, hein? Ok. Avant Boulangerie au Lembe, elle dit maman. Tu vas me donner son numéro de téléphone. Quand on arrive, avant qu'on ne quitte, le chauffeur appelle le numéro que tu vas nous donner, que voilà la personne qui va venir. On l'appelle pour lui dire que bon, dans une heure de temps, on sera à Olembe, à la boulangerie. Et à 30 minutes, D'accord. on l'appelle encore pour le rappeler qu'on est déjà dans 30 minutes. 5 minutes, on l'appelle pour qu'il se croise avec le chauffeur. Tu D'accord. comprends? Donc, tu vas me donner le numéro de la personne qui va réceptionner. Je sais que ce n'est pas la maman, elle ne peut pas porter. Ne dis pas que la maman vient chercher, elle ne peut même pas soulever ça. Voilà. Voilà, c'est ça. Ouais. D'accord. Je vais te faire une union parce que moi je n'ai pas les. J'ai pas les. Comment on appelle ça? Les réels, quoi. Je vais te faire une union. Tu Ok. peux enlever ton nom exact. Envoie Oui. ton nom exact pour que je te fasse une union. Ok, maman, je t'envoie ça maintenant. Chap, chap. Merci pour le soutien, ma belle. Merci beaucoup. Et la Tu ne seras pas dessus livraison, quand le coach. tu La livraison va se faire. La livraison va se faire peut-être quand? On peut lui livrer le macabo. La livraison peut se faire dimanche parce que là maintenant je suis en train de voir comment. Comme c'est pas urgent, donc elle est même pas au courant. Donc après, toi, là, tu vas l'appeler pour l'informer. Même la semaine prochaine, c'est pas grave. Mais il faut livrer les deux au même moment. Ok, Comme ça, on d'accord. les arrange pour la nouvelle. D'accord, parce que je suis en train de descendre. Je suis en train de descendre à Douala pour aller chercher le séchoir, non, pour le couscous. J'ai les difficultés, comme il n'y a plus le soleil. Donc, il me faut acheter une machine. Donc, quand vous commandez comme ça, là, je ne peux que vous dire merci parce que au moins, c'est que l'argent pour acheter. Donc, je me suis comme j'ai vu, comme ma maman fait aussi les champs, elle dit bon, tiens, une maman qui fait les champs au pays après avoir. Voilà, elle ne sera pas dessus et quand les colis vont arriver, elle-même elle va te dire, elle ne sera pas dessus. Et le maillot n'a plus bien, c'est pas le maillot que le Je maillot ne, qui va plus maman, la maman va te dire elle-même. Elle-même elle va te dire. Parce que j'ai fait ma publicité, tu vas dire que oh, je parle parce que c'est moi. Elle-même, elle va te dire. Tu comprends? Voilà, parce que si ce n'est pas bon, est-ce que tu vas encore venir commander? Non, tu ne vas plus venir. Donc, je me rassure que quand j'envoie quelque chose, le client est satisfait. Je me bats. Je ne suis pas parfaite à 100%, mais je me bats pour que le client soit satisfait. Mélange le rouge et le blanc, pardon. Ok, maman, je vais me battre pour mélanger. Mélange le blanc, le rouge et le blanc. Ok, ma, il n'y a pas de problème. Je vais te faire demain. Comme D'accord, ça, maman. je t'envoie tout Ah, tu et m'envoies tu la pardonnes la capture. Oui. Oui. Bon, c'est. Tu as dit que c'est Charline. Non, c'est Charline, non. Flore. Chaline, mon nom, c'est Ok. Chaline Flore, Chaline Fitch. Ok, maman. À Olembe. Ok, d'accord. Après, maintenant, tu vas Ah, m'écrire, tu vas me donner oui. le nom de la personne qui va réceptionner et son numéro de téléphone. Je vais te donner deux numéros, quoi, le nom de la maraîtère et de mon frère. Comme ça, si tu n'as pas l'un, tu auras l'autre. Parce que parfois, tu vas pas, parfois, ils sont ingénieurs. Donc, je vais te donner deux numéros pour mon petit frère et pour la maraîtère. Comme ça, au moins, si tu as une. Tu auras, tu donnes l'info. Ouais. Tu vois, non? Oui, ma. Ok. D'accord. D'accord, C'est pour ça. je vais. Merci Donc, beaucoup, hein, maman. tu vas livrer la semaine prochaine. Ok, il n'y a pas de problème, maman. Je vais te livrer. Ok, maman, on va parler de ton adresse exacte comme ça pour le reste du monde. D'accord, je t'envoie ça maintenant. Merci, hein, maman. Bonsoir, bonsoir, Dorcas. Tu dis bonsoir, maman. Une minute, maman, une minute. Tu dis quoi, Charline? Le Péli, c'est quoi, maman? Je ne connais même pas ça. Hein. Ah, donc c'est de banque par banque. Donc, si ton numéro de téléphone est relié à ton compte bancaire, non, comme ça, ça ne va pas marcher. Tu Non. vas t'aider tout Yeah. ça. Comme ça, Ah, maman, ok. ça va. Donc, D'accord.
maman, tu envoies le bout entre 120 000 alors pour la livraison et. N'oublie pas les 2000 fois de frais de retrait. Oh. Non, non, attends, non, non, il n'y a pas. Si tu envoies sur Western Union, il n'y a pas, c'est 120 000. Je croyais que tu voulais envoyer par Orange Money. Non, MoneyGram n'a pas, Western Union n'a pas ça. Ok. Ok, maman. Bon courage, maman. Merci. Bon courage, maman. Merci, maman. Merci beaucoup. C'est comment, non, maman, Florence? Oui. Comment, Je ne sais pas, je n'arrive pas. Je fais Orange Money pour te faire un virement, je n'arrive pas. Tu me dis que ton numéro n'est pas attribué, je ne sais pas. Sauf par erreur. Tu fais alors même par rien, non, ma, ou par monnaie, pour avoir Seigneur. Moi, j'ai Orange Money. Parce que tout le monde me fonde par Orange Money. Hein. Tu as mis mon numéro comment? Tu as mis le 237. Tu as levé le 00 que tu as mis là, non? Oui, j'ai rectifié, Bon, retire même le 237 là. Retire le 237, tu mets juste le numéro pour voir. J'ai fait le copier-coller et je verrai. Non, parfois le copier-coller, ils peuvent refuser. Tape le numéro même. Je vais encore voir ce que je vais faire. Pour je vais encore réenregistrer ton numéro. J'enlève le 237. Et ton nom intégral, je ne sais pas, j'ai dit. Je vais t'écrire ça. Ou je t'écris tout ça. Que j'ai juste mis Dorcas. C'est pourquoi. Probablement. On me dit le nom est invalide. Tout est invalide. Ce numéro ne permet pas de. C'est là où tout le monde m'envoie l'argent, maman. Par tout le monde. Orange Money. Oui, tout l'argent que j'ai, c'est là-bas qu'on m'envoie. C'est pratique, bon, comme j'ai fait peut-être, je me suis dit, comme j'ai fait peut-être deux envois aujourd'hui, c'est peut-être pour ça que le troisième, peut-être ça bloque. Demain matin, je te le fais. Demain matin, peut-être vers minuit, je vais le faire. Je vais le faire vers minuit. Vers minuit, peut-être. Peut-être je vais le faire comme j'ai fait. Tu sais, ils sont un peu. Tu sais, ils t'envoient des messages. Hein. Je ne sais pas si les gens te l'ont dit. Ils t'envoient des messages que moi, j'ai eu les banques qui m'ont dit que, comme ils ont leur JO ici, là, pour le financement du terrorisme, on ne veut pas. Et les transactions à l'étranger, ils t'envoient des messages comme ça. Il y a l'une de mes banques. La banque était affiliée à Tap Tap Sen. Ils m'ont dit ça. Ok. Parce qu'au bout de, je ne sais même pas, au bout d'une semaine et demie, je vais faire des transferts, ça ne passe pas. J'appelle ma banque. Et Tap Tap Sen était incapable de me dire ce qui se passait. Et la banque m'a dit alors que on ne veut plus les transactions à l'étranger parce que pour le financement du terrorisme et tout, comme ils protègent un peu peut-être leur JO ici. Moi je dis et j'ai appelé Tap Tap Sen, je leur ai dit que mais ma banque m'a dit qu'ils ne veulent plus les transactions. Et c'est là où Tap Tap Sen me dit effectivement, il y a certaines banques en France qui ne veulent pas qu'on fasse les transactions à l'étranger. Merci, madame, de nous l'avoir dit. J'ai dit, mais il fallait me le dire. Hein, et c'est là où ils m'ont donné la liste des banques qui ne voulaient plus. Qui ne voulaient plus les transactions avec l'étranger. Y compris ma banque au Crédit Agricole. Et c'est parti des banques qui interdisent, qui disent que... tu vas financer le terrorisme à l'étranger pour que les JO ne fonctionnent pas bien en France, quoi. Bon. Oui. C'est un petit problème, problème, c'est que je disais que si le virement, si tu réussis à faire le dépôt, comment on va aller à Douala pour les livraisons, on livre une fois la maman. On livre une fois ta personne. Oui, c'est ma famille. C'est ma famille à Douala, la cité.
À la cité Sikadoua, là, moi j'ai grandi à la cité Sikadoua, là. Étant une fille de l'Est, j'ai été au collège Madeleine, au collège Bénédicte. Ah, c'est bien ça. Voilà. Donc, c'est ma famille, la cité Sikadoua, parce que mon oncle travaillait à la régie Fercamp et j'ai grandi là. Ah, la cité Sikadoua. Ah, c'est le quartier que nous on a grandi, non? Nous on a grandi là, la BP Cité, c'était la paix. BP à BP, c'était juste en bas. C'est là, c'est en haut là. C'est là où On j'ai venait grandi. croquer la vie à la saladière. Oh non, quand j'étais à là-bas, je ne. Allô? Quand j'étais au Cameroun, je ne buvais pas l'alcool. Non. Non, j'étais toute jeune. Hey, tu bois maintenant? Puis j'ai commencé quand j'ai dit à mes enfants que j'ai commencé. Allô? Puis quand j'ai dit à mes enfants que j'ai commencé à boire de l'alcool à 26 ans quand je suis arrivée en France, parce qu'au Cameroun, je ne savais pas ce que c'est de l'alcool. Ah bon? Non. Nous, on venait à la saladière là-bas. Donc, moi, c'était un peu cette espèce. Quand j'ai dit que j'ai goûté à l'alcool à 26 ans et vous goûtez à l'alcool à 18 ans, Ils vont te dire que maman, c'est ton c'est époque. ton époque, on n'est pas dans votre pays là-bas. Je dis, ben, heureusement, ça, ma santé, elle est. Ça a préservé ma santé parce que peut-être moi, je n'avais pas d'argent. C'était mon époque. Et vous ici, à 18 ans, vous buvez déjà la bière. Moi, ce n'était pas mon cas, hein, parce que je dis, ben, il y a aussi des avantages aussi, hein, de la pauvreté. C'est parce qu'on ne boit pas d'alcool, on ne fume pas la cigarette quand on a 18 ans. Je l'ai dit Les souvent, enfants, ça. je me dis, non, ils veulent gravir les échelons. Oh. Je te dis, moi j'ai 2 ans. Bon, Ils veulent sauter les étapes. le destin a dit que je fasse 2 enfants qui ont 23 ans de jumeaux, une fille et un garçon. Ce sont les 2 enfants que j'ai eus en France. Et il te dit toujours, ce n'est pas ton époque. On n'est pas dans ton pays. On n'est pas. Je dis, mon époque, je leur dis toujours, s'il fallait refaire ma vie, je referais ma vie comme j'ai vécu. Je leur dis souvent ça, hein. S'il fallait refaire ma vie, c'est que j'ai fait ma vie comme j'ai vécu. Je ne regrette rien. Donc, vers minuit, là, je vais réessayer. Et quand je fais quelque chose, je t'envoie, je te bip. On n'est pas dans ton Ok, man. Je te bip quand je fais. Et je vais mettre les frais de livraison dessus, ne t'inquiète pas. Ok, maman. Merci, oh, maman. Bisous, bisous, bye Bye bye, Lucas. bye, maman. Bon, c'est bien, c'est quelque chose que je. Bon, ils ne seront pas plus ou moins surpris. Je les aide pour les maladies ou bien pour autre chose. Ils seront tout contents de voir que c'est quelque chose que j'ai envoyé. Ils ne s'attendent pas à ça. C'est une surprise que je leur fais. C'est une surprise. Ils ne pouvaient pas s'attendre à une surprise pareille. Ils seront un peu étonnés que est-ce que je peux acheter le macabo pour eux? Ils sont très contents. La nourriture est actuellement au Cameroun. Ils sont très contents. Crois-moi. Ils seront. Si tu livrais aussi à ma famille, bon, c'est très loin, à Bomban, parce que Oh non. j'ai un orphelinat à Bomban. J'ai conçu une maison où ma grande sœur garde beaucoup d'orphelins. J'aurais pu faire, bon, c'est loin, c'est loin, c'est loin, Loin maintenant, c'est très loin. il ne faut pas exagérer. Ah, c'est à l'est là-bas, Okay. ah, c'est loin. Il ne faut pas. Non, bon, ben, c'est à 200, je ne sais pas, 40 ou bien 250 kilomètres de Yaoundé. Donc, c'est un peu loin. C'est un peu loin. Ça devait leur faire plaisir, mais bon,
Eux, ils n'auront rien. Parce que j'ai un orphelinat là-bas. Ok, ma. Après, alors. Ok, après, quand je fais le truc, je vois là avec le flux et les banques et tout. Est-ce que tu peux essayer de m'envoyer ton nom complet sur WhatsApp? Oui, je vais le faire. J'écris ça Je maintenant, maman. vais corriger le nom et. Oui. Oui, parce que si tu n'as pas mon nom complet, ça peut se poser un problème. Je t'écris Parce ça, que voici ça que je fais. je mets juste Dorcas. Et je ne sais pas. Le nom complet, je vais modifier et qui est sur Non, ton si tu profil. mets juste Dorcas, ça ne peut pas passer. Ah bon? C'est ce que je mets. Non, tu dois mettre le nom intégral. Ah. Parce que si tu ne mets pas le nom, ils ne vont pas reconnaître. Et il me dit, il y a Orange, on m'a dit le nom invalide. Attends, je vais le faire. Oui, passez les commandes, non, mes gens. Hein? Vous ne voulez pas le couscous sans boule pour les connaisseurs. Il y a le sac de ça. Voilà. Ça, c'est pour le quoi? Mkum Nanje. Le pistache, sauce pistache. Avec le gombo dedans, maman. Ça parle que tic 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 tic. Ça parle en langue. Voilà. Venez commander, mes gens. Commandant, on va avancer. Bonsoir, Karine Ouattat. C'est comment, non, Karine? Kébou, Ké Marie dit qu'elle va arracher mon téléphone. Moi, tu vas arracher mon téléphone. Elle sait faire encore le clash. Je fais le commerce, non, maman. Je ne fais plus le clash, maman. Je suis fatiguée des clashs, pardon. Je suis fatiguée des clashs, non, maman. Il y a celle qui doit livrer à Bepandala. Pardon, qu'elle me donne le numéro de la personne qui va réceptionner son colis. J'ai failli oublier. La cliente qui doit livrer à Bepanda demain. Je veux la personne qui va réceptionner ton colis. Parce que je ne connais pas qui va réceptionner ton colis. Qui va réceptionner? Karine Ouattat. Maman, elle aussi, elle m'a passé les commandes jusqu'à Karine. Si. Merci au Karine. Karine m'a trop passé les commandes. Elle m'a trop suivi. Durée, c'est comment, non? Merci, oh, je mangeais même quoi, durée. Maman, j'ai tellement travaillé aujourd'hui. Mon fils est venu faire l'encontre. Il n'a même pas encore vu l'encontre là avec les yeux. Et c'est moi en train de les avocats. Hein? C'est moi les avocats. Ils sont au pays, on a la pression. C'est vous qui avez la pression là-bas. Hein? On n'a pas nous la pression ici. Oh. Durée les sauts, c'est comment non ma personne? Naya, Omoja, Envoigne. Les gens. Vous avez vu non, c'était le Japa qui faisait. C'était le Congo, ça, les gens aiment le Congo, ça. Ceux qui sont versés dans la voix. Et tendre les longues oreilles pour entendre la vie des gens. Passons à autre chose, disons. On est fatigué de tout ça. Pourquoi est-ce que nous-mêmes qui clashons, nous ne sommes pas fatigués? Nous sommes fatigués. Hein? Karine, non, maman, tu m'as fait la com. Tu as pas. Non, tu m'as soutenu. Je ne peux pas. Hé, tu es ma personne, maman. M'as soutenu jusqu'à. Tu as soutenu la reine galloise. Je te dis merci, maman. Merci beaucoup. Je te dis merci, membre. Sans toi, je ne suis rien. Merci pour le soutien que vous m'apportez. Merci beaucoup. Vous avez vu, non?
Aujourd'hui, là, vous avez commandé presque 10 sacs. On va applaudir pour le milliardaire. Oui! C'est le milliardaire qui a ouvert mon marché aujourd'hui. Hein. C'est le milliardaire qui a ouvert mon marché. Donc, j'applaudis pour le milliardaire. Le milliardaire a une bonne main pour ouvrir. Le milliardaire, il faut venir ouvrir mon marché tous les jours. Hein. Tous les jours, il faut venir ouvrir. Tu as une bonne main. Tu as vu comment tu as ouvert mon marché? J'ai eu 10 commandes. J'ai eu presque 10 commandes. Hein, le milliardaire. J'ai eu 10 commandes. Donc, merci. Milliardaire, donc tu étais à la fenêtre. Dès qu'elle prononçait ton nom, tu as seulement pointé ta tête. Tu as vu, non, milliardaire? Pour toi, tu as une bonne main. Tu as ouvert mon marché aujourd'hui. J'ai eu au moins ces 10 commandes. Tu as vu. Pardon. Chaque fois, tourne, tu viens ouvrir mon marché. Tu as une bonne main. Tourne seulement comme ça là. Tourne comme ça là. Tu as ouvert mon marché. Hmm. Tu as vu comment ta main est bien, non, le milliardaire? Tu as une bonne main. Tu as une bonne main. Maintenant, dis à ta personne, alors elle m'envoie le dépôt. Hmm. Merci, vraiment. Tu as ouvert chaque semaine, ouvre-moi le marché, même chaque 2 semaines. Je ne peux pas dire que tu viens tous les jours, non. Toi aussi, tu as tes problèmes. De temps en temps, tu viens ouvrir mon marché. Tu as une bonne main. Tu as ouvert aujourd'hui, j'ai eu. Voilà, chaque fois qu'elle sort du champ. Merci, je vais rentrer au champ peut-être dimanche. Je rentre au champ dimanche, je me repose un peu. Sous mes mains sont toutes découpées. Regardez une américaine de mon état. Regardez. Regardez comment ma main est découpée, découpée mes jambes. Même le panari m'a attrapé au visage. Regardez mon doigt. C'est. Vous avez vu, non? Tout comme ça, là, c'est le puits. Hein? J'ai bu les antibiotiques, les anti-inflammatoires. Maman, la douleur de sang. J'ai dormi seulement comme ça, à chercher le réseau toute la nuit. Pendant que papa m'a dormi, il ronflait. J'étais là que comme ça, là. Qu'elle veut parler, je dis que, mais bois les anti-inflammatoires, non, le gars a été ronflé son sommeil, il dormait qu'en l'air comme ça. Il voulait le claquer comme ça, il dit, mais, j'ai la douleur, tu dors quoi quand il y a la douleur, il voulait l'allumer comme ça, là. Qui se. Elle va gérer ça en journée. Merci au milliardaire. Merci. Tu es une bonne main. Merci, papa. Tu as ouvert mon marché, j'ai bien fait le marché, bien même. Vous voyez, non, quand il prend les commandes comme ça, là, quand il part en bouche, je sais que voilà les commandes que j'ai. Quand je ressors de la bouche, là, j'ai les commandes de tout ce que j'ai pris. Donc, ceux qui veulent les commandes livrées, parce que quand je ressors avec les commandes de ce que j'ai pris l'argent. Vous avez vu, par exemple, toutes les commandes qui sont sorties avec, c'est ce que j'avais pris leur argent. Je boucle la livraison aujourd'hui. Je boucle. Pour que la livraison aujourd'hui, donc je n'ai plus moi de problème de. Je n'ai plus moi de problème. Que oh, 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 non. Je boucle ma livraison aujourd'hui là. C'est ça. Donc, avant que je ne parte en bourse jusqu'à dimanche, vous avez le temps pour passer les commandes. Comme ça là, quand je sors de la brousse, je sors. Pour livrer vos choses. Vous avez vu, non, j'ai fait peut-être une semaine en brousse. Je suis sorti avec toutes les commandes que les gens ont pris. Pour ne pas avoir les problèmes avec mes clients, je suis obligé d'acheter une machine pour sécher. Sinon, je vais prendre l'argent des gens et on va commencer à dire que Dorcas est malhonnête. Dorcas est malhonnête parce qu'il n'y a pas le soleil pour sécher. Je suis obligé de faire un gros, je suis obligé de faire un gros investissement. Je suis obligé de prendre mon bénéfice que j'ai souffert pour acheter une machine. Mais c'est que c'est une machine qui va aussi m'aider à la longue. C'est ça. Je suis obligé. Ouais, j'ai dit que Tyler. Je dis que je suis là la nuit. La fesse, regardez. Tu as vu mon doigt? Regarde. C'est le pu comme ça, là. Regardez comme ça, là. Ouais, je ne sais pas comment il fait, vous allez voir. Vous avez vu, non? Le pu comme ça, là. Pendant que je suis là, le gars d'œil rompe, il voulait l'allumer comme ça, que mais le genre de douleur, là, tu veux l'allumer pour qu'il sente dans sa chair.
Il dit que maintenant, je regarde encore que non, papa travaille beaucoup, il est fatigué. Il travaille, c'est un homme qui travaille, il ne se repose pas. Quand il commence le travail, même manger, ne mange pas. Quand je voyais encore comment, et je dis aussi que c'est dans son village, donc si je l'allume un jalon pour m'encercler là-bas, ses frères pour me doser là-bas. Je dis que non, non, je laisse, je laisse. Merci, milliardaire, milliardaire. C'est milliardaire qui est d'abord mon général en chef, et je l'ai destitué. Et ça allait prendre la panthère. Ouais. Tu sors. Bonjour. Je sais. Avant, je dis que j'ai destitué milliardaire, maman. J'ai fui le pipi pour aller piétiner les. Voilà, ça m'a calé au cou, milliardaire. M'a calé au cou, maman. Et venez voir quand j'ai destitué milliardaire. Je dis que tu n'es plus de la team des USA. Hein? L'eau. C'est quel panier, papa, ma? Il a amené ça dehors, pourquoi? Appelle-le, viens chercher, non? J'ai dit que, maman, quand j'avais chassé milliardaire, venez voir comment me vanter. Milliardaire, tu n'es plus dans ma team. Milliardaire, tu quittes ici, maman. Que j'ai vu un autre général, maman, elle est calée dans ma gorge. Me voilà aujourd'hui, les plaies de mollet partout. C'est toi qui as dit à Cotes de prononcer le nom de Cameroun. Il dit que maman milliardaire, quand j'ai ce milliardaire, maman, je me vantais jusqu'à. Milliardaire disait que je n'ai pas apprécié la team des US. Il dit que milliardaire, tu vas quitter. Tu vas quitter, obligé, forcé. Tu n'es plus de la team des US. Tu quittes, maman, parce que je disais que j'ai ma part de général. Maman, mon général m'a laissé au carrefour. Maman, mon général m'a laissé au carrefour. Le clash de ça. M'a lavé jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai que mes yeux pour pleurer, maman. Si milliardaire n'était pas qu'il était, non, mais c'est qu'il se moque aussi de moi jusqu'à ce qu'il passe à aller à elle pour me laver bien, même. Parce que la façon que j'avais chassé milliardaire, j'ai dit que jamais tu n'es plus mon général. Tu es destitué. Maman, je ne savais pas que je partais. Je marchais tout droit comme ça. C'était la porte de l'enfer que je partais. Je ne savais pas. Milliardaire, pardonne-moi. Tu reviens dans la team. Je te préfère. Attends, les gars de là-bas, vous ne faites que venir écrire vos choses ici, là, que là-bas s'est infiltré, Kamwa la panthère. C'est quoi? Il y a eu quoi avec Kamwa? Quel côté ça prononce le nom de Kamwa? Si prononce le nom de Kamwa, ça fait quoi? Où est le problème? Ah, allez faire votre politique, dis donc. Là-bas, ça a été infiltré. Infiltré par qui? Dis donc, si Paul Biya vous a dépassé, vous laissez les gens. Alain Francis Kamnan. Kamnan. Si Paul Biya vous a dépassé, laissez les gens tranquilles, disons. On est fatigué avec vous. Qui a pris l'argent, hein? Qui va se négliger? Moi-même, je vois, je prends. Je dis que vous avez combien avec quoi? Il a pris l'argent, ça fait quoi? Il y a qui va manger? Moi-même, je vois l'argent, je prends. Vous avez compris avec quoi? Le politicien qui me contacte, Dorcas, fais ma campagne. Tu me payes, je fais ta campagne. Moi qui, pour ne pas prendre. Allez, dis donc, laissez les gens avec ça. 2018 a donné quoi? Excusez les gens. Qui a pris l'argent? Ça fait quoi s'il a pris l'argent? Quand moi, prends. Dis donc. Tu as mouillé le maillot, ta main est morte, tu n'es même pas venu l'enterrer au Cameroun. Kamwa, je peux parler. Je connais tous les la majorité des activistes là, ils se cachent, ils viennent au Cameroun ici. Mais toi, tu ne peux plus venir, même voir la tombe de ta mère, par rapport à quoi? Allez, souvenez avec ça, disons. On est fatigué avec. Que chacun se batte. Longa a dit qu'il n'est plus le libérateur, que chacun se libère. Kamwa n'est plus libérateur. Déposez mon frère Kamwa. Que chacun s'inscrit sur les listes électorales. Il défend son vote. Déposez le nom de Kamwa tranquillement, tranquille. Que chacun s'inscrit. Appelez vos familles d'aller s'inscrire. C'est tout.
Ça fait quoi? Ça fait quoi? Même si ça fait ça qu'il a acheté la voiture, ça fait quoi? Allez aussi acheter beaucoup, dis donc. Vous ne voyez pas d'autres qui étaient comme des crasseux, qui sont devenus aujourd'hui comme les directeurs de société, qui ont même acheté les voitures, ce n'est que qu'à moi. Donc vous ne voyez pas les autres qui ont acheté les voitures, ils ont même monté en direct. C'est qu'à moi, votre moins cher. Hein? Qu'à moi. Une tourne comme ça là. Allez tourner, dis donc. Je vous donne quoi même sur cette terre? Tu ne viens pas acheter le macabre, tu viens parler le nom de Kamoué, c'est là. Après, c'est pourquoi les gars de la basse m'enseignent que Dorcas a dit que... Alors que c'est vous qui venez parler le nom, ici là. Donc, je vends mes macabres comme ça, ne te plaît pas. Tu ne peux pas porter le nom de Kamoué, tu veux mettre ici là. Quand il dit que mon général... il y a ça avec votre combattant. Vous avez dit quoi? Vous avez dit quoi? Quand j'ai dit cela que mon général était l'engagé de l'un de vos combattants. Vous avez dit quoi? Vous avez fait... C'est passé comme un taxi plein. Parce que vous ne voulez pas qu'on parle de ça. Dorothée, viens prendre maman. Ah, d'accord, ça va alors. Si tu veux parler des avocats, il y a les avocats ici. Oui, mes gens. Bon, je vous aime. Tata Siro, je te clare les bisous. Je vous aime très fort. Bisous, bye bye. Bye bye. Ok. Laissez-moi, je patrouille sur Facebook. Je vois tout ce qui se passe sur Facebook. Demain, on va faire, s'il y a des décryptages, on va faire demain, ok? Je vous aime. Prenez soin de vous. Bisous, bye bye.